les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un match de ligue 2 de ce jour donc ce mardi 10 janvier à 20h45 un match de la 18e journée saint-etienne le 20e qui reçoit l'aval le 15e alors voilà euh, je vais vous donner plein d'informations et de statistiques sur ce match les classements des buteurs, meilleurs passeurs euh, je vais vous donner aussi les résultats des deux équipes les compos d'équipe probables. Euh, et puis donc on va essayer de définir une tendance alors au classement les Lavalois ils sont 15e avec 20 points en 17 matchs, 6 victoires de nuls, 9 défaites. Alors, soit ils gagnent, soit ils perdent. Ils font très peu de nuls. Mais euh, ils ont perdu quand même 9 fois. Hein. Euh, c'est incroyable. 22 buts pour, 29 contre, moins 7 oh, au average. Côté Saint-Etienne, c'est 12 points seulement en 17 matchs. Ah ils ont eu des points de pénalité au départ, hein. sinon normalement ils auraient 15 points. Euh, mais ils seraient quand même derniers, ça change rien. C'est 3 victoires, 6 nuls, 8 défaites, 24 buts pour 31 contre, moins 7 de collaboration. Ils ont à peu près marqué autant de buts et encaissé autant de buts que Laval. La différence c'est que Laval a perdu 9 matchs et eux, ils ont même perdu moins que Laval. C'est très intéressant. Classement des buteurs, Alors, très 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 intéressant. On a deux joueurs dans les 10 premiers buteurs. On a Jean-Philippe Crasso de Saint-Etienne qui est meilleur buteur du championnat avec 8 buts, dont 3 pénalty, et 4 passes décisives aussi. Et euh, Julien Maggiotti de Laval qui est quatrième buteur avec 7 buts, dont un seul penalty. Très intéressant. Et au classement des, buts, des passeurs, Jean-Philippe Crasso est aussi meilleur passeur. Avec 4 passes, et on a pour Laval euh, Kader Choubi, qui en a 3 de passe et qui est 5ème Execo. Euh, ex bon, euh, écoutez, il y a quand même des joueurs à surveiller, mais Jean-Philippe Crasso pour une d'un joueur d'une équipe qui est dernière. Et il se débrouille plutôt pas mal. Hein. Les 10 derniers résultats, les amis. Saint-Étienne, c'est pas folichon. C'est une victoire, 3 nuls, 6 défaites dans les 10 derniers matchs. Wow, wow, wow. C'est pas terrible. 9 vues pour 16 comptes, moins 7 de goal à verrage. Alors là, il reste sur euh, un match nul. Un partout contre Caen euh, à 17ème journée, donc c'est quand même à souligner. Euh, c'est vrai que euh, est-ce que c'est quand une équipe qui est, qui, est, qui est même qui est bien placée en championnat, donc est-ce que ça peut jouer, mais sinon avant, on euh, en enlève la Coupe de France, il restait sur trois défaites de suite en Ligue 2. Quoi. C'est vraiment pas terrible, les résultats sont pas bons du tout. On comprend pourquoi ils sont derniers. Côté Laval, sur les 10 derniers matchs, c'est 4 victoires de nul, 4 défaites, 14 buts pour, 16 comptes, moins 2 de golavérage Ouais, c'est mieux. Sauf que, sur les deux dernières journées, c'est une catastrophe. Ils ont perdu 5-0 à Dijon et après ils ont perdu 3-0 à domicile contre Amiens. Mais qu'est-ce qui s'est passé côté Laval euh, depuis ce retour de trêve Alors, soit ils ont eu une épidémie et puis parce que. La défaite à Gijon, ça laissait se poser des questions, mais après perdre 3-0 à domicile contre Amiens. Alors qu'ils ont, vous voyez, ils ont battu Caen en octobre dernier. Euh, bah écoutez, moi je verrais bien une victoire Saint-Étienne dans ce match, parce que je ne sais pas ce qui se passe à Laval, mais ça va, pas du tout. Et euh, Saint-Étienne pourrait en profiter. On va aller voir les compos d'équipe, les amis. Alors Saint-Étienne joue en 4-4-2. Quand même intéressant. Avec le gardien, Larsonneur en défense, Namri, Brillant, son AD, Petro en milieu, Cafaro bouchouari mouton et l'obri en attaque, Crasso et Charbonnier. L'attaque est vraiment très bonne. Euh, ça, ça va être très correct. Côté laval, c'est du 3-5-2 avec Sauvage en gardien, Dacros et Baudry en euh, défense. En milieu c'est Adeoti, Roi, euh, Sana, Gonzalves. Euh, en attaque, Durban et Neji. Ok, alors je sais pas ce qui s'est passé côté Lavalois, hein, mais. Euh, alors, on va regarder euh, les deux. C'est Enchobi euh, qui est dans les meilleurs passeurs et en attaque Magiotti. Alors, déjà, Magiotti, je ne le vois pas dans l'équipe. Donc, déjà, il manque leur buteur. Et euh, Enchobi, je ne le vois pas non plus. Euh, bah, les deux joueurs qui sont dans les 10 meilleurs ne sont pas, pas là du tout. Alors ça peut peut-être expliquer s'ils ont des absents, euh, ce qui s'est passé dans les deux derniers matchs. Bah écoutez, moi je verrais plus une probabilité que Saint-Étienne gagne contre Laval, les amis. Là, euh, je serais pas surpris de les voir gagner. Surtout que là ils sont, ils ont, ils ont plus choix hein, Saint-Étienne. Hein. S'ils veulent se maintenir en Ligue 2, il va falloir qu'ils commencent à gagner des matchs. Là, c'est une grosse occasion Laval qui sort de deux matchs catastrophiques, zéro but marqué, 8 buts encaissés, qui a des blessés, des absents. Après, je sais pas, c'est les, les compos d'équipe possibles. Peut-être qu'il y aura certains autres joueurs, peut-être que ça va changer. Mais voilà les amis, euh, et ben écoutez, moi je verrai bien dans ce match-là une victoire de Saint-Étienne. En tout cas, je vous donne rendez-vous euh, pour cette 18e journée, pour ce match de Ligue 2 à 20h45, ce mardi 10 janvier, pour le match Saint-Étienne, qui est 20e de Ligue 2, qui reçoit Laval le 15ème. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo